Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous l'avez vu dans les vidéos juste avant, on est parti dans le vieux Montréal, en fait sur le vieux port, faire une petite balade aujourd'hui en ce jour de fête, enfin en ce jour férié de fête du travail au Québec. Du coup, on ne travaille pas et vous voyez qu'il y avait un petit peu de vent, il a fait beau, en même temps il faisait nuageux, mais on a eu des très 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 belles photos, là je vous en montre quelques-unes, mais on s'est fait plaisir. On a passé un bon moment avec les enfants cet après-midi, d'ailleurs ça nous a claqué parce qu'on a marché au moins 2 ou 3 km, je ne sais pas, tout le long comme ça, là c'était trop sympa. Et là je vais continuer à bosser ma classe, mais dans ce vlog on va pas parler école, on va vraiment parler Montréal, balade, continuer le fait de s'organiser pour la reprise, s'organiser ici dans cette nouvelle maison, rangement, etc. Peut-être achat de prochains meubles, puisque cette semaine j'aurai ma première paye ici. Et ça c'est trop sympa, parce qu'ici on est payé toutes les 2 semaines. Du coup je pense que je vais acheter des meubles pour... mes enfants et pour moi, je vais m'acheter déjà un meuble ici. Là, on est dans ma chambre, un meuble pour mettre tout ce qui est là, mes sous-vêtements. Ce matin, j'ai enfin débarrassé toute ma chambre. Bon, on dirait pas comme ça, mais vraiment, il y avait plein de cartons et j'ai rempli, je vais vous montrer. J'ai rempli mes petits tiroirs en fait en dessous comme ça. Donc avec toutes mes trousses de beauté, mes pinceaux ici pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de place dans l'autre pièce. Je me suis mis une petite table de nuit parce que j'en ai ras la casquette de ne pas avoir de table de nuit, c'est pas top. Et ici dans ce tiroir là j'ai mis tout ce qui était parfum, comme ça ils sont à l'abri de la lumière. Ici c'est mes boules de bain, bon ici j'ai pas de bain donc ça sert à rien. Mes teintures, je vais m'en faire une la semaine prochaine parce que j'ai quand même quelques cheveux blancs là qui se font apparaître. Et tout ce qui est brume, Victoria's Secret, etc. qui sont là. Bon, je suis retournée à mes premières occupations, c'est-à-dire préparer ma classe pour demain, pour la semaine si possible. J'arrive toujours pas à concevoir la construction des séquences ici. J'arrive pas à visualiser, donc j'espère que je vais y arriver. Sinon, on se reprend dès que j'aurai un nouveau meuble, quelque chose comme ça à vous partager, ou une nouvelle balade ensemble. Bon, j'aime tellement la vue de ma chambre, là, avec cette jolie fenêtre, tout ça, c'est tellement trop joli, là. Je suis méga fan de cette baie vitrée, vraiment. Ça apporte tellement de lumière dans la pièce. J'ai craqué chez Winners, oui, chez Winners, hier. Et sur Instagram, vous étiez nombreux à me dire que vous vouliez voir ce qu'il y avait. Je vous montre sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Mais pour celles qui n'ont pas Instagram, je vais juste vous faire un petit spoil. On a acheté des petites choses, beaucoup d'automne. Des petites merveilles d'automne. Juste regardez, moi, cette petite merveille d'automne, là. Trois enfants, trois petites terreurs en citrouille, c'était parfait. Une autre petite merveille, voilà, qui appelle l'automne. Je n'ai pas résisté. Bon, voilà, vous voyez qu'il y a des petites choses d'automne, là. Pas grand-chose, mais ça m'a coûté cher, quand même, parce que chez Winners, c'est sympa, mais ça coûte cher. Et alors, cette merveille-là, regardez-moi ça. Elles sont trop, trop belles, ces tasses. Je ne sais pas si vous verrez bien. Elles sont canons. Voilà, voilà, pas de grosse folie, mais ça s'appelle l'automne. Vous allez bien, j'ai oublié ma caméra encore une fois à la maison, donc je filme avec mon téléphone, j'espère que la qualité ça ira. En tout cas, vous avez vu un petit bout de ma route tous les matins en ce moment, j'aime beaucoup, ça fait déjà 15 jours que j'ai pris quasiment l'école. J'aime beaucoup cette route parce que ça me, pour l'instant c'est 25 minutes, 30 minutes, ça dépend, pour l'aller, et c'est hyper beau je trouve le chemin. C'est une route plutôt jolie, il y a du soleil, c'est tellement sympa. Bref, aujourd'hui on est vendredi et c'est la fête de l'école, soirée, enfin partie mousse. Il y aura de la mousse partout, des jeux partout, ça va être trop sympa, mais je vous en reparle ce soir en rentrant. Allez, sur ce, j'y vais. Je vous retrouve en ce samedi, le week-end. Je vous ai parlé hier via mon téléphone, parce que j'avais complètement oublié cette caméra. Donc, la journée
de vendredi, donc c'était la journée de la fête de l'école, dans mon école. C'était juste extraordinaire. Je vous ai partagé ça sur Instagram. C'était magique. C'était un truc de dingue. Comment vous dire ? Je vais vous expliquer vraiment rapidement le programme de la journée, mais le matin, en fait, ils avaient prévu des créneaux. Et c'était par deux groupes de niveau. C'est-à-dire que, par exemple, de 8h à 9h, c'était le groupe des maternelles et premières années, ou première et deuxième année. Ouais, je crois que c'était ça. Nous, de 9h à 10h, donc mon groupe, les troisième année, donc on était les quatre classes de troisième année et les classes de quatrième année ensemble dehors. Et à chaque fois, c'était comme ça toute la matinée. Donc, c'était vraiment bien organisé. Et les élèves pouvaient jouer dans la cour, soit jouer en collectif, soit jouer au château gonflable. Il y avait des stands de maquillage pour se faire maquiller. Il y avait aussi le parachute. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, l'année dernière, je l'avais en tant que remplaçante pour jouer en collectif. En fait, vraiment, c'était une grande récréation d'une heure avec des jeux proposés. Les enseignants jouaient avec les élèves. Enfin bref, c'était juste déjà top. L'après-midi, après le repas du midi, ils ont pu avoir une glace qu'ils appellent ça ici. Ah, moi, j'ai oublié. Popsicle, je crois que c'est ça. Popsicle, ils appellent ça, des glaces à l'eau. Très bonne, d'ailleurs. Nous, on a le droit aussi, en tant qu'enseignant, d'en avoir une. Donc, c'était juste canon. Et l'après-midi, ils avaient une demi-heure de jeu dans la mousse, en mode mousse party. Mais vraiment, les mousses comme dans les boîtes de nuit, vous voyez. Il y avait ça dans toute la cour. C'était juste extraordinaire, c'était une ambiance de folie. Bien, la journée, toute la musique était là toute la journée, vraiment c'était canon. Voilà pour mon résumé de ma journée d'hier, c'était un truc inimaginable, vraiment une première dans ma vie d'enseignante. Bon, voilà pour ma journée d'hier, c'était juste... Vous me direz ce que vous en pensez, mais extraordinaire. En début d'année, je sais que les châteaux gonflables, tout ça, ça arrive parce qu'il y en a en France dans les fêtes d'école de fin d'année. Mais là, dès le début de l'année, en mode tranquille, on était là pour surveiller. Il y a des enseignants l'après-midi qui sont partis vraiment dans la mousse aussi avec les élèves. C'était juste fun. Les élèves étaient trop heureux. En fait, j'ai remarqué, d'ailleurs, vous êtes nombreux à poser des questions sur Instagram, sur l'école, que ce soit même pour mes enfants, tout ça, comment ça se passe. Promis. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment destinée à ça. Mais sachez que mes enfants, ça s'est très bien passé, la rentrée pour eux. Ils sont trop heureux d'aller à l'école, d'avoir des enseignants différents pour l'art, pour le sport, etc. Ils trouvent ça trop cool. Leurs enseignantes sont juste canon. Pour l'instant, ils sont méga heureux. Et hier, sur Instagram, je vous avais partagé qu'il n'y avait que mon fils de maternelle qui avait le droit au bus scolaire. Donc lui, hier, il a pris la première fois le bus scolaire aller-retour. Mais en fait, vous m'avez dit, mais pourquoi il n'y en a qu'un ? Donc, il n'y a pas de rapprochement de fratrie et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est un calcul au kilométrage de la maison à l'école. On est à 1,5 km de l'école. Les petits, jusqu'à 5 ans ou 6 ans, je crois, jusqu'à la première année, ils ont le droit d'avoir accès au bus quand c'est à plus de 1,3 km. Donc, c'est notre cas. Mais pour les grands, après 6 ans... ils ont droit au bus qu'après 1,6 km. Et nous, on a 1,5 km, je pense. Vous voyez, on n'est pas loin. Mais ils ne font pas un rapprochement de fratrie. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a le droit, tous ont le droit. Non, ça n'existe pas ici. C'est vrai, ils ne veulent pas. On a essayé d'insister. Mais ce n'est pas possible. Donc, en fait, il n'y a que mon dernier qui a le droit. Donc, mon mari doit emmener le dernier au bus et emmener les autres à pied. Donc, faire 1,5 km à pied. Lui, il part au travail. Et le soir, rebelote. Donc, quand même, les grands font 3 km par jour. Sachant que là, ok, il fait bon, il fait beau, ça va, mais après, ça va pas être la même chose. Donc, c'est un peu casse-pied, un peu dommage. Et voilà, c'est dommage qu'il ne fasse pas des rapprochements de fratrie, parce que ce serait plus logique que le dernier, il soit avec ses frères et sœurs. Bref, bon, il était quand même content de prendre le bus pour la première fois et tout. C'était son petit truc à lui, donc il était privilégié sur ce coup-là. Et donc, oui, mes enfants, ça se passe bien. J'aurais tellement de choses à vous dire, donc je pense que je vais faire une vidéo vraiment destiné à toutes les questions FAQ sur l'école. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à m'en poser sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci du fond du cœur. Mais vous pouvez aussi m'en poser ici. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'école, toutes les questions qui vous passent par la tête que peut-être j'ai pas répondu parce que j'y ai pas pensé, parce que parfois je pense pas à tout, n'hésitez pas à me les dire ici dans les commentaires. Comme ça, dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de répondre un maximum à toutes vos questions. Sur ce, aujourd'hui, programme du week-end. Demain, il paraît qu'il y a la fête au maïs, au blé d'Inde, ici. Donc, je vais peut-être, avec les enfants, aller faire un tour à cette fête dans un parc en plein Montréal.
Et donc ça se passe toute la journée, il y a des festivités, et je vais rejoindre ma collègue, en fait, de mon école. Aujourd'hui, je sais pas trop. Déjà là, on est en mode ménage, on a fait le ménage partout, mon mari est en train de continuer pendant que je me maquillais. Mais je pense qu'on doit faire les courses pour la semaine, on a quelques courses, parce que la semaine dernière, j'ai fait des grosses courses, j'ai fait mon planning et ça a plutôt bien marché. Ah ouais, gros point négatif en revanche, c'est que tous les soirs, on a passé quasi une heure à préparer les lunchs. Entre préparer le repas du soir et préparer les lunchs pour le lendemain, ça nous a pris une heure à chaque fois, donc ça nous a grave saoulé, hein. C'est un truc qui n'était pas prévu dans nos habitudes, donc ça, il va falloir qu'on remédie à ça. Alors, il y en a qui nous ont parlé de batch cooking et tout, moi et mon mari, on n'aime pas faire ça. Vraiment, déjà, cuisiner, c'est pas notre grand fort. Donc, on aime cuisiner, mais de temps en temps, pas tous les jours, pas genre le week-end, passer 4 heures à cuisiner. Donc, pour l'instant, c'est notre point noir de tout ça. Je pense qu'on va finir par payer les cantines, entre guillemets. Enfin, c'est pas la cantine, mais le lunch ici, ils appellent ça repas chaud, je crois. Mais il faut qu'on voit le budget, il faut qu'on voit combien ça va nous coûter, etc. Parce que pour l'instant, j'ai eu ma première paye jeudi, mais il faut qu'on arrive à quand même organiser tout ça. Donc, on verra. Mais le lunch, c'est une galère. C'est vrai qu'en France, la cantine, c'est vraiment... Sinon, à part ça, donc aujourd'hui, course un petit peu. Et j'aimerais bien aller dans le nouveau centre commercial. Il y a un nouveau centre commercial qui a ouvert là, pas très loin. Il paraît qu'il est trop beau, un peu luxe et tout. Aller faire peut-être un tour par curiosité, je ne sais pas, on verra. J'aimerais aller chez Sephora et chez Bath & Body Works, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée. D'ailleurs, Sephora, je ne suis toujours pas allée depuis que je suis arrivée ici, donc ça fait bien 2 mois. Donc j'avoue, j'aimerais bien aller craquer un peu de sous-sous. Pas beaucoup, hein, en restant raisonnable, mais craquer un peu. Et j'aimerais vous faire j'ai reçu ma box Ipsy, j'attends ma deuxième box. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale si j'ai fait des achats. Et sur les box américaines que j'ai reçues ici, parce qu'elles sont tellement différentes de la France que ça peut peut-être vous plaire. Sur ce, j'arrête de blabla et let's go. Ce dimanche, direction la fête de la citoyenneté dans le quartier de Saint-Léonard.
C'est méga bon, hein. C'est trop bon. Mmh. C'est magnifique. Avec la petite touche de sel là à la fin. C'est absolument pas pratique à manger, mais c'est très bon. Bilan de Saint-Léonard, c'était très sympa, même si mes enfants ronchonnent. Ils n'ont pas fait assez de trucs. Il fait froid, il fait un peu de vent quand même. Mais c'était cool, il y avait pas mal d'animations pour les enfants. On pouvait visiter le camion de pompiers. Il y avait des jeux gonflables, il y avait pas mal de choses. Vraiment, c'était plutôt fun. Et on a mangé du maïs, la tradition paraît-il. Ici, donc ça c'était trop cool et trop bon. Il était beurré en fait, il fallait mettre un peu de beurre, un peu de sel, c'était très très bon. On a vu des sortes de personnages, de cirque, un peu d'animaux sur les chats, c'était trop sympa. Kayla, elle est un peu tristoune parce qu'elle n'a pas fait de trottinette. En fait, il y avait des essais de trottinette. Et quand on est arrivé, il n'y avait personne, ils n'ont pas voulu le faire. Et puis à la fin, quand on est parti, il y avait du monde, mais là ils voulaient le faire. Mais nous, on n'avait plus envie de faire la queue. Mais c'était vraiment sympa. Dans l'idée, c'était cool. Ça permettait. Attends, je vais te le mettre. Bah oui, tu l'as mis n'importe comment. Attends. Bon. J'ai été coupée tout à l'heure par mes crapouillous. Ce fut sympa. C'était vraiment très, très, très cool. Et j'ai oublié de préciser, toutes ces activités étaient gratuites. Même le maïs était gratuit. Bon, sur ce, je vais utiliser mes belles tasses que je vous ai montrées au début du vlog. Elles sont trop, trop. Je vais les laver parce que je ne les ai toujours pas utilisées et je vais faire un petit cappuccino. Et avec ceci, je vais me manger mes petits muffins. Hier, j'ai fait une petite tournée de muffins, bananes, pépites de chocolat. Ils sont vraiment très bons. Et je me suis dit comme ça, mes enfants, ils pourront en manger pendant leur collation à l'école. Et moi aussi. De mes petits chaussons trop craquants, j'adore. Je vous retrouve dans ma petite pièce make-up. Je viens de finir un petit réel que je vais vous poster bientôt sur Instagram en collaboration avec la marque de soins capillaires que j'utilise depuis quasiment maintenant 2 mois. Je les ai reçus juste avant de partir au Canada. Ils m'ont fait confiance et honnêtement, je suis méga fan. C'est la marque Aya Curl, c'est une marque de soins capillaire pour les boucles, comme ça, qui hydrate vraiment mes boucles. Regardez, j'ai fait ma routine ce matin. Et ils sont trop, 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 trop beaux, hyper bien rebondis, hydratés. J'aime beaucoup. Et vous voyez, ça fait 2 mois que je les utilise et bah, ils sont pas vides encore. Ma gelée capillaire arrive peut-être à la moitié, je pense. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette marque. C'est des soins un peu naturels. Ça me change un petit peu ma routine d'avant. Donc, je suis fan. Donc, j'ai fait un petit réel pour vous en parler en collaboration avec la marque. Et je vais leur envoyer pour la preview, comme on dit. Je ne suis pas payée pour faire tout ça. Mais c'est juste pour avoir reçu les produits gratuitement. Et puis, ça me tenait à cœur de partager une marque comme ça que j'ai découverte, qui était pour les cheveux bouclés, qui était quand même plutôt naturelle. Et qui a été créé par une influenceuse. Donc voilà. Sinon, j'ai reçu, comme je vous ai dit, ma Ipsy Box. Mais je vais la garder précieusement ici, dans ma pièce beauté, pour vous faire un unboxing avec les prochaines que j'attends un jour, si elles arrivent. Je me répète, mais
En tout cas, voilà, vous avez passé la semaine avec moi quasiment. J'espère que ça vous a plu. On vous a emmené quand même dans Montréal, dans le quartier du Vieux-Port. On vous a emmené à Saint-Léonard aujourd'hui. Vous avez passé la semaine avec moi. Et puis, je pense que la prochaine vidéo, ce sera la fameuse vidéo sur l'école. J'ai récolté toutes vos questions. Maintenant, je vais essayer d'ordonner ça pour faire une vidéo face cam plutôt détaillée. Et le prochain vlog, peut-être que ce sera, ou c'est sur Instagram, sinon si j'ai pas le temps de vlogger, je vais voir. Mais j'aimerais aller à côté dans le nouveau centre commercial, là je vous avais dit, il s'appelle Royaumont. Moi je crois, c'est dans le quartier de Mont-Royal. Et du coup, j'avais envie d'y aller. C'est des boutiques de luxe et plein de boutiques aussi. Donc soit je vous vloguerai, vous me direz ce que vous préférez, soit je vous vlogue un vrai vlog, soit sur ce, je vais aller faire quelques panier virtuel sur Ikea pour des potentiels meubles, dont un meuble ici que je vous avais dit qu'il faudrait que j'achète là pour mettre mes produits de beauté et mes sacs à main. Et sinon, ce sera tout. Je pense que je vais aller me blottir sous un plaid parce que j'ai froid. Aujourd'hui, il a fait quand même froid. Il a fait 27 degrés toute la semaine, mais aujourd'hui, il a fait 12 degrés ce matin. Je vais aller imprimer des petites choses pour ma classe parce que j'ai quand même bien préparé ma classe hier. Donc ça, je suis contente. Je commence à trouver un petit rythme. Et là, je vais aller me faire le montage de cette vidéo pour vous, parce que j'ai trop envie de relire vos petits commentaires. Vraiment, encore une fois, je me répète, je suis sûre que ça va casser les pieds à certains, mais vraiment merci pour tous vos commentaires, vraiment merci pour tout votre soutien, que ce soit ici et sur Instagram, vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des petits messages d'amour. Vraiment, merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas encore à mettre des petits likes, à mettre des petits cœurs dans les commentaires, à mettre des petits... voilà, même si vous aimez pas, je sais qu'il y en a beaucoup, et moi je suis un peu comme ça, hein. Je regarde la vidéo, mais parfois je laisse pas de commentaires, mais laissez-moi un like, et surtout, laissez, si vous avez la force de mettre un petit commentaire et que vous n'avez pas envie d'écrire plein de choses, voilà, mettez-moi des petits smileys, des trucs comme ça, je saurai que vous êtes comme moi. Team, j'ai la flemme d'écrire des commentaires, mais je vais montrer que je suis passée par ici. Ça me fera super plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager à qui cela intéressera. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vraiment ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve dans les prochaines aventures de Karine au Québec, au Canada. Salut !